Bonjour les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de la deuxième journée de la Ligue des Champions. J'ai choisi six affiches qu'on va pronostiquer ensemble et on est parti. Alors on va commencer par un Liverpool-Ajax. Liverpool qui a très mal commencé sa première journée de Ligue des Champions. L'Ajax qui a très bien débuté. Pour ma part, je partirai sur un match nul entre Liverpool et l'Ajax et sur un partout, parce que je pense que Liverpool aura encore du mal à aller chercher sa première victoire en Ligue des Champions. Et je pars sur 1-1 contre Liverpool-Ajax. Après, nous avons le choc Bayern de Munich contre Barça. Alors là, ces dernières années, c'était une démonstration du Bayern de Munich face à une équipe de Barcelone qui était en reconstruction. Le Bayern avait gagné 8-2 il y a 2 ans. L'an dernier, le Bayern de Munich avait aussi gagné facilement face à cette équipe de Barcelone. Mais là, je pense que ça va être un match un peu plus serré. Je pense que quand même le Bayern de Munich va gagner à l'Allianz Arena. Mais pour ma part, je partirai sur une victoire compliquée du Bayern de Munich 3 à 2 face à une belle équipe du Barça. Mais je pense qu'ils sont un peu moins rodés que le Bayern de Munich. C'est pour ça que je pense que le Bayern de Munich va s'imposer 3 à 2. Après, on commence par le premier club français là qui va jouer mardi, Marseille-Francfort. Vous aurez mes vidéos réactions comme d'habitude. Et là, je partirai sur une victoire de Marseille 2 à 0. Je pense que Marseille peut le faire et s'imposer au Vélodrome avec un but d'Alexis Sanchez. Il est en pleine bourre en ce moment et je pense que le Marseille va s'imposer 2 à 0. Puis après, nous avons le lendemain trois rencontres qui étaient pas mal. Le Real Madrid face à Leipzig. Et pour ma part, je pense que le Real va s'imposer 3-1. Je vois pas Leipzig, c'est un peu de mal, même si ça a gagné en Bundesliga. Le Real est pour moi supérieur à Leipzig. Nous avons le Maccabi Haïfa face au Paris Saint-Germain. Et là, je pense que quand même le PSG devrait s'imposer. Moi, je pars sur un 3-0 et peut-être une double chance buteur, qui est Kylian Mbappé ou Neymar, qui va forcément marquer. Après, ça va être dans un stade un petit peu chaud bouillon, mais franchement, je pense quand même que le PSG devrait s'imposer 3-0 avec un but soit de Mbappé ou de Neymar. Et on termine par City Dortmund. Et là, je vois une victoire de Manchester City 4-1 avec un but encore de Erling Haaland. Voilà, c'est une bonne cote souvent de mettre City vainqueur avec le but d'Erling Haaland. Dites-moi vos pronostics pour ces 6 matchs de Ligue des Champions. Et normalement, on se retrouve ben, mardi pour ma vidéo réaction et mercredi pour le classement du Ballon d'Or 2022. Ciao!